Salut à tous et à toutes, c'est Marcus. Bienvenue les potos et bienvenue les potesses pour un nouvel épisode de Hero 4 Remake. Allez, c'est parti, direction le chapitre 13. J'ai l'impression que t'as quelque chose à me dire. Disons que j'ai une question à poser. Mais je m'attends pas à ce que tu me répondes. Raccoon City. Tu sais, après l'incident, le monde a changé. T'essayes de sauver une personne et il y en a 100 qui meurent. Peut-être que moi aussi j'ai changé. Toi, Léon Scott Kennedy, tu n'as pas changé. C'est juste dans ta tête. Bref, voilà ma question. Est-ce que t'as changé, Ada? Ou tu comptes encore te servir de moi? À ton avis, on y est. Te prends pas la tête, beau gosse. À plus tard. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Ok. Où c'est qu'on est ? On dirait qu'il y a une espèce de complexe en arrière-plan. Ouais. J'ai cru qu'à un moment, il allait lui dire que Louis est mort, mais même pas. Bref, allez. Ah oui. Ouais, ça a l'air très très grand. Ah oui. On dirait une raffinerie. Ashley, te voilà. Non mais, vous avez vu un peu les tourelles? Je pense qu'on va en chier. Que dalle. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose d'autre à voir. Et j'ai comme l'impression que non. Ah. Des projecteurs. Il vaut mieux les éviter. Quoi d'autre? Ouais. C'est un vrai guépier ici. Je vais devoir être prudent si je veux m'en sortir. Là, je pense que c'est good. Je dois faire vite. Ouais, comme tu dis. Il y a un truc aussi que je voulais dire, hein, pendant qu'on regardait la cinématique. C'est que l'eau est pas très bien faite. Le jeu est assez caviar sur pas mal de choses. Mais je trouve que la flotte, c'est vraiment pas terrible. Hein. Clairement, peut mieux faire. Monsieur le marchand, comment ça va? J'ai quelques nouveautés en stock, bienvenue. J'ai mis la main sur quelques raretés. Je te prends ça déjà. Tu fais des réserves au cas où? C'est une sage décision ça. Extension de mallette est 64 000. 64 putains de 1000 pesetas. Et oh, j'ai 65 000. Ça, t'en aura pour ton. Plus c'est grand, mieux c'est, comme on dit. Du moins, c'est ce que je pensais quand j'étais jeune. Est-ce que ce sera tout? Attends!
Je vais te vendre ça pour 24 000. J'achète, ah oui, quand même. Tout et merci. Le bleu velours. Eh bien, je vais certainement. Et là, pouvoir il me faire manque des émeraudes. Ouais. Bon, on est remonté à 28 000, ça va. En quoi puis-je t'être utile? Là, on est comment? On est à x13. Là, c'est x4. Mathilda, viseur laser. Pour le pistolet et le Punisher. x10. Non. D'accord. Est-ce que ce sera. Reviens quand oui, tu ce sera tout. Là, on a la machine à écrire. Si je vais par là. Ou si je vais par ici. Là-haut. Je peux grimper ou pas? Yep. Hé hey. Là en face. Mais comment tu veux que j'atteigne la chose? Mais ouais. Ah! Épitaphe de la grotte érodée. Blablabla, chassés par les impies belliqueux, nous nous retrouvons en exil. L'herbe est sèche, les arbres sont stériles, nous attendons l'expiation. Cette île est notre purgatoire. Mais ne perdez pas espoir, mes frères et mes sœurs. Enfin voilà. Notre heure viendra. Esther Sadler. Oh là là. Voilà, on désactive. Super. Enfin, c'est même pas désactivé en fait, on a juste fait une rotation. Ah non mais c'est good. Ok, j'ai rien dit. En fait, je pensais que c'était des tourelles qui pivotaient. Mais pas du tout. Ça sert juste de comment je pourrais dire de capteur de mouvement, capteur, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Mais pourquoi un truc aussi gros? Enfin oui, oui, non mais en fait oui, c'est parce qu'il y a le canon en fait. Super. Ah, mais j'adore me goinfrer. Me goinfrer. Me goinfrer, ça ne veut rien dire. Me goinfrer. Ah. On recule. Allez, on recharge. Bah dis donc, y a que de mal. Mais non! Mais attends, mais pourquoi les balles ça traverse le gars qui est devant et moi ça me touche? Oh, le jeu là, soit un peu logique et cohérent. C'était un fantôme ou quoi le gars?
Hey, il y a un coffre là, mais oui, tout à fait. Le problème, c'est que je vais devoir utiliser mon couteau, moi. Si je vais par là. Bingo. Bracelet de perles. Est-ce que je peux faire le tour? Tout à fait. Le cadavre mort va être vu, mais c'est pas grave. Oula, c'était limite. Merde. Bah voilà. Mais c'est bon, on l'a vu là, on l'a vu. On regarde un petit peu ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Ça, je peux mettre ça ici. J'ai pas de plante jaune. Nine. Ah ouais, d'accord, mais du coup, moi, je passe par là. Allez, on passe. Et t'as combien de fumigène de Molotov, mec? Chier. Attention. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Vite. Tiens, fort heureusement, je peux les attirer par là. Mais reviens. Pourquoi ils se cassent? Ok. Allez, ramène ta fraise. Ok. Ouais, il est mort. Raté. Non, non. Le mec, il serait pas au-dessus. Ah ah! Tu t'es cramé tout seul, sale con! Attends, je peux l'allumer? Je peux l'allumer. Je peux la péter, la lumière? Yep. Super. On peut monter. Et tiens, juste avant, on va prendre ceci, sertir, et on va rajouter ça ici. Voilà. Et combien 75 200.
75 200 pesetas. On va vite faire demi-tour et la vendre. Parce que le marchand n'est pas loin, donc on peut se le permettre. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux bien que tu m'achètes ceci pour 12 000 pesetas. Une affaire bien conclue. Et la couronne. Merci. Et de rien, on est à 122 000. on peut peut-être faire un petit peu de modification. Être là, méticuleux jusque dans les moindres détails, c'est le secret. Allez. C'est un travail qui demande de la finesse. Et 51 000 quand même. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. Ça t'épate, hein? Notre savoir, j'ai... Voilà, c'est tout. Va pas te faire tuer, hein? Mais non, t'inquiète pas, mon gars. Alors, chapitre 11, tac, tac. Logiquement, là, ça devrait... Mince, mieux se passer. On est passé de combien... de 1,60 à 1,80 au niveau des dégâts pour le pistolet. Et au final, hein, vous aurez noté que j'ai quasiment... Ouais, non, mais je crois que je n'ai jamais changé d'arme de poing. On est resté qu'avec le pistolet de base. Parce que je suis quelqu'un de très fidèle, c'est tout. Faut pas chercher à comprendre. Ah, une plante! Toi. Rotation. Comment on fait une rotation? C'est pas grave, on fait ça. Tac, tac, tac. Super. Maintenant, là, on peut rien faire. Si, on peut faire des balles de peupon, tiens, allez. Je peux pas passer ici. Poudre noire. Ah, qu'est-ce qu'on a? Ah, tu vois, je ne peux pas passer par l'escalier parce qu'il y a ce satané laser. Je fasse le tour. Raté. Moi, je vais pas te rater. Ah mais tu m'avais mal à la caboche, mec. Mais arrête de me tirer à la caboche, mec. Je suis trop beau, mec. T'es en train de me défigurer. Et ça, je ne suis pas d'accord. Ah, je peux monter. Là. Balle de pistolet. Comment ça se passe? Est-ce que j'aurais raté quelque chose? Non. Des fois, les textures ont un peu de retard. Mais enfin, c'est pas grave. Tu peux pas, là? Tu peux pas. Tu peux pas, mais c'est pas normal! Tu devrais pouvoir! Léon! Ah, je ne préfère rien dire. Ouais, d'accord. Ah oui, non mais... Comment je vais faire, là? Si je fais ça... Tac. Ensuite, on passe par là. Et là... It's good. Bizarre qu'on puisse pas passer là, il y a peut-être un truc, non? Non. Eh hey mec, t'as rien droppé! Fumier. Coucou, me voilà! Ah! Ah!
Mais oui, on ne peut être que content quand on voit. Je sais pas pourquoi j'ai tiré là où j'ai tiré. Il faut que tu te libères, mon gars. Eh, ça fait trop mal ton truc. Tiens. T'as mal là? Fumier. Bah au moins ça m'a réveillé. Ok. Oh là 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 là. Et merde. Allez. Ouvre. Enfin. Là, il y a quelqu'un à gauche. Il y a eu un petit bug sonore. Voilà, c'est comme si j'avais un silencieux. C'est beau quand même. Hein. C'était encore mieux qu'un silencieux. Parce qu'on entendait vraiment que dalle. Merde, merde, merde. Shit. Ne te retourne pas. Merci. Chou. Du quoi Ibiza? Non, tu n'iras pas à Ibiza, mec. J'aille dehors ou pas? Est-ce que dehors j'ai quelque chose à y faire? Oui, je peux aller par là-bas. Et on va d'abord checker ce qu'il y a ici. On peut pas aller en face. Mais j'ai comme l'impression que oui. On va faire le tour. Tiens. Une plante jaune, une herbe jaune. Une petite herbe qui va me permettre de faire ceci. Voilà. On s'en est bien. Non, il me manque de la poudre d'or. Il me manque une poudre noire. On a un bidon là. Et ce bidon va nous dégager la voie. On va attendre que ça s'éteigne. Voilà, comme ça c'est fait. Et là. Tac. Lynx doré. Cool. Est-ce qu'il y a du sertissage? Oui! Bon. On va mettre une pierre bleue. Une pierre rouge. Et bah là, il me faut un rubis. Et là, on est à combien? Non, sinon, là, on est à 24 200. Là, on est à 13 000. Pas mal.
Merde. Bon, j'ai pas le choix. Bah dis donc, il t'en faut des balles. J'ai essayé de le mettre à terre, mais j'ai pas réussi. Ça ne voulait pas. Non, 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 non. Ah, je suis tenté à chaque fois de faire des balles de peupon, mais je pense que les balles de fusil, c'est mieux. Un lance-roquette. Ah bah bien. Oh, combien de temps. Vas-y, on va combattre là. Ok. Super. Ça a bien marché. Je pense que le gars, on va le shooter au fusil. Si c'est possible. Suivant. Ah mais je l'ai tué, mais qu'est-ce que je vous ai dit? Non mais vraiment le fusil, le Stingray là, c'est vraiment du caviar. Comment ça se fait qu'il y a des cadavres c'est pendant qu'il les a tués là? C'est l'autre trou de balle qui a tiré avec son lance-roquette et qui aurait fait des tirs fratricides. Qui aurait fait un tir fratricide. Non! Yes! Coucou! Allez, on passe par là! Oh non! Allez! Non! J'ai pas eu le temps! Allez, 5 balles, 10 balles de récupérer, 15 balles de récupérer! Là, je peux descendre. Derrière moi. Ah, mais heureusement que j'ai regardé. Ce contraste entre le début d'aventure, le milieu d'aventure, et là, cette fin d'aventure. D'abord, on était dans les alentours d'un village, voilà, ça faisait très ils vivent dans le passé. Ensuite, on est dans un château, excusez-moi. Donc là, ouais, changement de ton. Et là, je boum, on quitte le château pour un complexe industriel. Alors des fois, c'est vrai, encore une fois, je me répète, ça essaie de faire de l'environnement assez varié, mais il faut que ça reste cohérent. Bon, je sais pas, bref. Moi, je sais pas, c'est pas que ça me chagrine, hein, c'est pas que c'est mal fait, que c'est pas intéressant, mais
Je sais pas. Moi, j'aurais bien voulu rester dans cette ambiance du début d'aventure. Tu me diras, c'est pareil dans Hero Village. Hein. Dans Village, au début, on est dans un village. Ensuite, on est dans un château. Et vers la fin, c'est du complexe industriel. Tu vois, on note à mort la construction de leur jeu à Capcom au niveau des RE. C'est pas du copier-coller, mais ouais, hein. C'est pareil, regarde, tu prends Hero 5. Au début, t'es dans des villages, après t'as du complexe un peu industriel, enfin... On voit une espèce de pattern. Attends. Faut que j'aille par là, mais du coup, par ici. J'ai plus que 5 balles. 5 balles. On a pas le choix. Voilà, comme ça c'est fait. Je crois que c'est la première fois que je me retrouve à court de munitions pour le pistolet. Ok, on a récupéré 20 balles. Super. Là, un trésor. Couronne encore ? Bah dis donc ! On va encore se faire des couronnes sans or. Sertir. Allez. On va mettre deux bleus. Non, tiens, on va mettre ça en même temps. Et après, là, tu vois, il me faut 3 émeraudes. On est à 33 000. C'est vraiment les émeraudes qui me posent souci. Il n'y a pas un petit personnage là? Bingo. On va essayer. Je vais pas pouvoir entrer par là. Ah tu vois là, regarde la texture. Elle est arrivée après 2-3 secondes quoi. Ah ouais d'accord ok. Toudou. On peut monter. J'entends un bip bip. Bleu velours. C'est fermé. De toute façon, je l'avais déjà vu que c'était en rouge. Tac, Peseta 800. Tiens, on peut save. Chapitre 4.
Ils m'ont vu. Bon, attends, on va se remettre de la vie parce que là... Donnez-moi des balles, bordel de shit! Putain! Je voulais garder ma ferraille pour tout ce qui est... munitions de peupon et munitions de stingray, mais en fait je vais devoir... Ah, j'aurais pu les amener là, fais chier. On sait jamais, on va garder ça comme ça. Mais ouais, je vais être obligé de les utiliser pour faire des balles au pistolet. Hein. Oh. Ouais. Ouais, bon, 3 balles, c'est 3 balles. Sésame, ouvre-toi. Ah, que dalle. Attention. Confortable de dormir avec les mains attachées dans le dos. J'aime pas trop ce que j'entends. Attendez. Coffre. On va récupérer. Mais c'est quoi le plus balèze ? Prends-toi. Ouais. J'ai aussi le fusil d'assaut. Mais alors, qu'est-ce que ça utilise comme balle? J'en sais rien. Tac. Raccourci. Ici. Ok. Là, recharge. Là aussi. Merci le Stingray. Est-ce que je pourrais pas crafter des balles pour l'arme? Non. Tant pis. Il me faut, ouais, il me faut une carte. Tout à fait, Léon.
Ah, Dame Ned, c'est fermé. Faudrait pas un passage quelque part. Donc là, tu vois, ça me dit que c'est sur ma droite. Donc c'est là. Je vois par où passer. On a la cellule ici. Trou dans le mur. Vas-y. Ah bah tiens, non. Ça va... À mon avis, on va pas tarder à récupérer Ashley parce qu'on a la possibilité de faire des actions à deux. Plante verte. Est-ce que je peux faire un mélange? Non. Tu m'as repéré? Ah oui. Tout pété. Vont-ils venir? Yes. Ma vue ou pas? Oh, j'ai eu du bal de ouf! Fusil x4, thank you very much. C'est très cloisonné, hein. Clairement dire que c'est un jeu à couloir. Encore? Je peux faire des cartouches de fusil, mais moi c'est vraiment... Enfin, de peupon, mais moi c'est vraiment le fusil que je veux. Et c'est bizarre, ouais. On peut pas faire un mélange. Fais chier. Punaise! Ah là 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 là! Pourquoi tu brûlais, mon gars? Ah, on t'avait enfermé dedans! Ah! Ah bah ouais, maintenant, mais quand on joue à cache-cache, faut faire attention. On a récupéré un poisson. Oh, ah, n'oublie pas. Ah merde, je crois que c'était un ennemi. Étranger. Toi, tu t'installes vraiment n'importe où. Hein. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Ouais, moi je te vends ceci. J'en ai 4, donc 10 000. Une affaire bien conclue. Là, il me faut en gros 3, 4, 5
émeraude. Acheter. Tiens, on a un killer. Pour 77 mules, ça va, c'est pas cher. C'est pas cher. Un magnum facile à prendre en main. Ah, mais qui coûte vachement cher quand même. Tu fais des réserves au cas où. C'est une sage décision, ça. Allez, j'achète. Sincèrement, c'est peut-être la seule arme dont tu as besoin. Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Et du coup, je peux rien récupérer. Enfin, je peux rien réparer. En quoi puis-je t'être utile? Reviens quand tu veux, surtout. Tiens, un œuf de poule. Ok. Elle est où l'imprimante? L'imprimante? La machine à écrire. Coffre. Vous êtes d'accord? Ça prend. Ouais, c'est un magnum. Donc, voilà quoi. J'ai plus beaucoup de place. Déposer. Voilà, comme ça va faire de la place. Ouais. Heureusement, il me reste des couteaux. Attends, on va sauvegarder d'abord, ouais. Mais sur une autre sauvegarde. Chapitre 5. Est-ce que tu me vois là? Bien sûr que tu me vois. C'est d'appuyer, hein. T'as des carcasses de bœuf droit devant toi là. Après, voilà, tu fais comme tu veux. Est-ce que le flingue... Attendez. Yes, je peux le mettre là. Mais j'ai toujours pas la clé, ouais. On a une grille. Là, la chambre. Ah ouais. C'est plus fort que moi, il faut quand même que j'aie la validation, la confirmation que je ne puisse pas l'ouvrir. C'était quoi ça? Non, je peux pas passer par là. Là c'est fermé. Ça c'est éteint. Ça va prendre le peupon. Parce que je sais pas du tout ce que c'était devant moi là, enfin qui nous est passé devant. J'ai l'impression que c'était quelque chose de tout nouveau. Merde. La demande de mise à jour de votre carte d'accès a été approuvée. Oh, on a trouvé la carte, d'accord. Elle est passée où la créature? On l'a vu partir par là. L'ambiance là, elle est pas mal. Hein. Ah d'accord, ok. Je comprenais pas.
Attends, tac, tac, ça va là. Ah mais non, ça marche pas là. Là ça marche. Non, ça marche même pas en fait. Ok. Oh my god. Qu'ont-ils foutu? Putain. Quel genre d'expérience ils font ici? Ouais. Je voudrais bien le savoir. Note d'observation Régénérador. 9 avril, enfin, j'ai donné naissance à une nouvelle vie. J'ai baptisé cette créature Régénérador. Sa capacité métabolique est exceptionnelle. À moins que tous les parasites présents dans son organisme soient éliminés, cette issue peuvent se régénérer, excusez-moi, à l'infini. 10 avril. En observant son corps avec une lunette dotée d'un biocapteur, j'ai pu vérifier que les parasites se comportaient comme des organes vitaux pour leur hôte, presque comme si celui-ci avait plusieurs cœurs. Ma nouvelle création est pratiquement immortelle. Ça me rassure pas tout ça. Je suis sûr que même le docteur Frankenstein serait en admiration devant une telle prouesse. 13 avril, j'ai informé mon collègue, ce monsieur je sais tout, de ma réussite. Il est devenu pâle. Ensuite, il s'est mis à griffonner des choses dans son carnet. Je pensais qu'il serait impressionné, mais au lieu de cela, il a eu le culot de me mettre en garde sur les soi-disant dangers. Ce type est un imbécile, j'ai tout sous contrôle. Ouais, ça m'étonnerait. Le sujet est devenu fou et s'est échappé de sa cuve cryogénique. C'était moi l'imbécile. Donc c'est ça qu'on a vu. Et c'est ça qu'on entend depuis tout à l'heure. Voilà. Maintenant que j'ai récupéré la carte, les ennuis ne font que commencer. Putain, mais c'est quoi ça? Un goût d'or, voilà. J'ai tout ça, voilà. Oh la vache, il tape fort le con. Mon gilet va pas tenir. Tac, on va aller par ici. La lumière, s'il te plaît. Multipass. Ah, mais non, il n'y a pas d'énergie. Ah punaise, ça va être chaud là. Si j'éteins tout, ouais ben non en fait. On va essayer là.
Mais non, tout est fermé maintenant, je suis con. Je comprends pas comment ça marche. Ah, c'est clair de l'autre côté. Aïe! Tu m'as fait mal, sale con! Bah, peut-être que ça va marcher! On va se remettre de la vie parce que là, j'en ai plus beaucoup. On va manger ceci et le. L'œuf. Le. Ah, ça ne va rien dire! Voilà, là, c'est alimenté. Vas-y. Super. Quoi ? Merde encore. Borne de verrouillage électronique. Je pense que c'est bon. J'ai pas tout d'activé. Oh, ça me prend le chou, ça. Ok. Maintenant, faut que j'aille à droite. On descend. Et on active. Borne de réécriture, ouais, ok. On verra ça après. Parce que là, les balles de peupon, ça part vite, hein. J'aurais peut-être dû faire demi-tour. On verra ça après. Là. Qu'est-ce que ça baragouine ? M'en repère ou pas? J'ai pas l'impression. Te
estás ahí? Vas a probar tu propia medicina. Ahí está. Ah, il m'a repéré. Oh, une plante jaune. Et ils font trop mal. Quand c'est comme ça, on voit que dalle. Je croyais qu'il était pas encore mort. Poudre noire. Attends. On respire un grand coup. Alors, fabriquer. Tac. Maintenant, on a encore ça. Ma vie est pas terrible, donc j'ai pas trop de choix. Et on a presque la barre de life à fond. Hein. Là. Non, que dalle. Si je vais là. Dans le mur, labo d'incubation. Tiens, faut que je retourne là-haut ou pas? Ah. Ah, ils vont se réveiller, ces connards, je le sens. Cartouche de peupon, ouais. Lunettes avec biocapteur. J'ai plus de place. Waouh, il a été maîtrisé au bout de 20 heures après avoir fait 7 morts et 19 blessés. Ouais, non mais là, ouais, et j'ai trop de trucs là, j'ai trop d'armes. Vas-y. Tac. Est-ce que ça permet de faire de la place? Déplacer. Faire des balles de pistolet, ouais. Lunettes avec biocapteur, les lunettes, la lunette. D'accord, ok. Donc en gros, on va mettre ceci. Élément. Voilà. Et là, j'ai plus de place, hein. J'ai plus de place du tout. Hein. Si je prends le stingray. On voit qu'il y en a deux. Quoi? Il me faudrait une clé à molette. Sans blague. À molette.
Oh nom de Dieu. Ah, c'est dans cette pièce-là qu'il y a le... les balles de fusil. Bingo. 5 balles. Cool. Super. Oh, encore des balles là. Oh, le jeu, tu me prépares à un affrontement, je le sens. Faut retourner là-haut, excusez-moi, je mange les mots. C'est peut-être parce que j'ai faim, tu me diras. Mais faut retourner là-haut pour pouvoir passer en level 3 au niveau de la carte. Donc là, on se fait un petit topo. Je sors, gauche tour. Toi, tu dégages l'odeur de combat. On va voir si c'est ça. Attends, mais ça me dit que c'est là. Je suis pas du bon côté? Merde, je vois pas là. Bande de réécriture, on est d'accord. Jette un œil, quelque chose va forcer. Attends, coffre, on est à 7000, ok. On va gérer ça. Je sais pas ce qui est mieux, une mitraille de taille 1, hein, d'accord, ok. Elle fait peut-être plus de dégâts. Coffre, bah déplacer. Déposer, voilà. Ensuite, on prend ça et on fout ça là. Okidoki. Aimant de plaire. Bon, je vais quand même bien réparer mon couteau. Hein. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vas-y, je te répare-moi souhaite ça. Bonne chance. Échanger. Non, c'est pas la peine. Ah si, attends, est-ce que je peux te vendre des trucs? Lingot d'or, 20 000. Merci. 20 000 quand même, hein. Est-ce que je peux te... Reviens quand tu veux. Tac, alors, sauvegarder. Une autre sauvegarde, chapitre 5. Surtout. Ah, il est chaud ce chapitre. Enfin, c'est pas qu'il... C'est pas qu'il est chaud, mais... C'est que je vais trouver une clé à molette. Peut-être que j'ai mal fouillé en bas. Hein. Là, que dalle. Que dalle. Là en face, je peux pas parce que j'ai pas le level 3. Ici. Herbe verte. Munitions de fusil, comme quoi j'ai bien fait de faire ce que je fais là.
Balle de mitraillette. Herbe rouge. Là, que dalle. Ici. Non, je ne peux rien faire. Tac. Toi, tu vas là. Super. Attends. Tac. Ça. On met ça là-haut. D'accord. Attends, carte d'accès de niveau 2. Une carte d'accès utilisée dans le bâtiment 1, elle permet de franchir les portes de sécurité de niveau 2. Et franchement, je ne piche pas. Ah oui, carte d'accès de niveau 2 obtenue. Pourquoi tu veux pas? Ah non, mais c'est bon, j'ai pigé, c'est parce qu'il y a la grille. Oui, c'est vrai, il faut le... Ouais, ouais, mais pareil, j'ai pas d'indication pour trouver l'outil. Poudre noire. Trou dans le mur. Mais la porte, elle est fermée. C'est après, en fait. Oh là là, je tourne en rond. D'accord, ok, ok. Eh non mais voilà, c'est bon, j'ai pigé. Ça a fait quelque chose ? Voilà. Oh là. Est-ce que je pourrais pas faire ça pour tout le monde? Ça, ça va grandement m'aider. Voilà, ça va me permettre de récupérer des émeraudes. Et toi, le dernier. Là, tiens, deux pour le prix d'un. Et ça se trouve, j'aurais été obligé de les affronter. Peut-être qu'ils se seraient mis à sortir une fois avoir fait ce qu'il y a à faire au niveau de la carte. Ah bah, ils me font moins peur d'un coup. Mais heureusement que j'ai des balles de fusil. On a perdu du temps pour rien, mais voilà, désolé. Désolé, c'est comme ça. Des fois, je gogolise. Foutez-moi la paix. C'est prêt? Merci. Tir de la carte terminé.
encore cette saloperie. Suivant. Je vais crever! Ah, punaise! Oh, j'ai mon chat. Ok. Du bien. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir aller par là. Ah mais en fait la borne d'écriture, je me demande, attends, bouge pas. En fait c'était là où je devais aller. Bah ouais. Écoutez, excusez-moi, mais des fois je percute pas. On aurait été en stream. Vous m'auriez dit, dès le début, Marcus, tu fais fausse route, fais demi-tour, retourne là-bas. Mais voilà, là je suis tout seul, donc forcément, je gogolise. Si je percute pas, bah voilà. Faut attendre. Là. Ok. C'est good. Ah ouais, on arrive là, d'accord. Là, je regarde et... Oh merde, j'ai oublié de... Non, ça c'est très important, la poudre noire... Bon, des fois on en récupère beaucoup, des fois non, là c'est pas trop. Hier par contre, on en a récupéré pas mal. Faut pas que je passe à côté, hein. C'est tout droit à gauche. En plus, c'est du x5, hein. C'est genre, vas-y, tiens, c'est pas une poudre noire ou deux blocs de poudre noire. Non, non, c'est 5. Putain, ça fait déjà 1h23 que je joue. Tu vas t'en sortir. Bah voilà, en fait, c'est la fin du chapitre. Je pensais pas. J'aurais cru qu'on aurait un petit peu continué avec la Miss. Ou voilà, on l'aurait réveillé, on aurait fait un petit bout de chemin, etc., etc. Mais non, ça ce sera demain pour le chapitre 14. J'espère que vous aurez kiffé cet épisode. Vous me le ferez savoir dans les commentaires. Hein. Je compte sur vous pour que vous me lâchiez tout plein de retours. N'oubliez pas avant de partir, si ça vous a plu, de lâcher un pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas déjà fait tout en activant la petite cloche. Ciao, bye bye et à très vite !